Donc, eh bien, salut tout le monde, c'est Scorpion, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va nickel. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où c'est que je vais vous montrer tout simplement le secret pour résoudre l'énigme du tertre des chutes tourmentées, tout simplement. Donc, c'est un petit énigme au milieu du donjon, tout simplement. Donc, c'est très simple. Juste avant ça, il y a juste ici une potion de soin léger à récupérer. Si vous voulez fouiller le reste, vous êtes libre. Prendre le reste, voilà. Moi, je prends juste la potion de soin léger. Et vous en aurez besoin pour la suite. Alors, là, de toute façon, je fais juste cette vidéo pour tout simplement vous montrer l'énigme. Donc, c'est très simple, vous voyez. Il y a trois visages. Enfin, là, vous en voyez deux. Voilà, il y en a un par terre, mais voilà. Il y a trois visages avec leur gueule ouverte avec des symboles dessus. Donc, il faut reproduire l'identique avec les piliers, tout simplement, les tourner jusqu'à que ce soit à l'identique. Le premier, on voit, c'est un serpent. Donc, on va tourner jusqu'à voir apparaître le serpent. Donc, il y a serpent, oiseau et poisson. Donc le deuxième, il s'est décroché du mur, il est par terre et on voit bien que c'est un serpent. Du coup, tout simplement, vous allez tourner jusqu'à faire apparaître, tourner le pilier jusqu'à faire apparaître le serpent. Et le troisième, normalement, c'est poisson, ben, vous n'y touchez pas, vous le tournez pas du coup. Vous avez juste à utiliser le levier et normalement, la grille va s'ouvrir. Parce que si vous faites une mauvaise manipulation, regardez bien une dernière fois avant d'activer le levier. Parce qu'en fait, si vous activez le levier alors que vous n'avez pas fait la même manipulation que moi, vous allez vous recevoir plein de flèches dessus et je ne sais pas si vous allez vous en sortir. Donc voilà, donc sauvegardez bien avant, tout ça. Comme ça au moins, vous êtes sûr. Voilà, ensuite vous faites utiliser le levier. Et voilà, la barrière s'ouvre. Et voilà, vous pouvez continuer la suite de l'histoire dans le donjon, tout simplement. Voilà. Donc c'était juste un petit tutoriel pour vous montrer comment résoudre l'énigme du tertre des chutes tourmentées, voilà, au milieu du donjon, tout simplement. Donc j'espère que cette petite vidéo astuce vous aura plu, tout simplement. C'est la deuxième que je fais, deuxième petit tuto que je fais, voilà. Donc du coup, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. On est enfin plus de 1000 abonnés, plus de 1K sur la chaîne YouTube. Je vous remercie extrêmement beaucoup. Go les 2K, go les 2000 abonnés. Tous les liens seront dans la description, le lien de cette chaîne YouTube Scorpion, le lien de ma chaîne YouTube secondaire Scorpion TV, et il y aura également mon lien Tipeee. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour me faire un petit don, ça me ferait extrêmement plaisir, sachant qu'à partir de 2€, il y a des contreparties. C'était Scorpion, moi je vous dis ciao ciao.